got a lot of things to be. Hey, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet YouTube. Et oui, je sais que j'en ai fait plein des vidéos comme ça qui n'a jamais été concrétisée, si quelquefois. Mais voilà, il faut se projeter un peu dans l'avenir. Malgré ça, c'est très compliqué de se projeter dans l'avenir avec le problème sanitaire, évidemment. Mais voilà, j'ai toujours un projet et j'espère que ça va se concrétiser cette fois-ci. Parce qu'avec ce virus de merde, voilà, c'est très compliqué. Allez, on y va. Let's go. Alors, mes projets YouTube, c'est quoi? C'est faire des vlogs, évidemment, comme d'habitude. Mais dans tout le pays de France, j'aimerais bien faire ça. Évidemment, avec le problème sanitaire, c'est compliqué. Et j'aimerais partir en voyage dans le monde entier pour vous montrer en vidéo. Ça, vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Évidemment, c'est un rêve. Voilà. Ça, par contre, je ferai une vidéo sur les pays que j'aimerais visiter et vous montrer en vidéo. Ça serait pas mal. D'ailleurs, première sur ma chaîne, ça serait peut-être le Japon ou les États-Unis. Ça serait très trop cool en vrai. Et ça sera plus États-Unis évidemment, parce que voilà. Mais avec ce problème sanitaire, c'est compliqué de voyager, donc j'essaie pas d'y penser pour l'instant. Voilà. Déjà, ça va un peu mieux aux États-Unis ce virus, évidemment. Bon, sinon, j'aimerais, pour l'instant, j'aimerais faire un peu le tour de la France. Déjà, la Bretagne, le tour de la Bretagne, ça serait déjà cool. J'aimerais faire les îles bretonnes, ça j'en ai déjà parlé, les îles bretonnes, c'est un rêve de faire. Il y en a plein en Bretagne, des îles, donc il y a quoi faire, voilà. Peut-être à côté de Lorient, il y a un bateau pour aller sur une île. Voilà, ça j'aimerais bien en faire. En plus de ça, sont magnifiques ces îles bretonnes. Voilà, je vous montre quelques photos évidemment de ces îles magnifiques. Voilà, il y a pas mal aussi de presqu'îles. Vous savez, j'étais à Quiberon, c'est un presqu'île, presqu'étude de Quiberon. Il y a aussi le presqu'île de Gave que j'ai fait en vidéo. Et puis j'aimerais faire le presqu'île de Arzon, c'est ça? Je sais plus, Arzon, qui est en Bretagne évidemment et qui est aussi magnifique. Voilà, j'aimerais bien y aller. Pourquoi je bouge? Pourquoi je bouge? Ah, les animaux! Il y a les animaux là. Hein? Bon, voilà, ça c'est un rêve de faire des vlogs un peu partout dans la France aussi et aussi dans les autres pays. Ça serait vraiment cool, mais avec ce problème sanitaire, on peut pas. S'il n'y a pas la France, donc je vais voir. Bon, pour l'instant, on est confiné, on est limité à 10 km, donc voilà, pendant un mois. Donc, on verra par la suite, voilà. Puis aussi, je voudrais continuer à faire mes sangas story. Évidemment, j'ai plein d'histoires comme ça qui m'est arrivé quand j'étais petit, même plus grand. Voilà, et ces histoires-là, c'est des histoires vraies et j'aimerais en raconter énormément. Il y a des choses que j'ai fait qu'il faut pas, mais ma famille ne sait pas tout ça, et ben ils vont savoir là, ils vont peut-être m'engueuler, mais voilà. J'ai bougé énormément en vrai, parce que j'ai du mal en face cam, je préfère aller voyager, voilà. J'ai aussi, ça y est, j'ai créé un compte TikTok, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, je montrerai un peu ce que je fais avec TikTok, voilà, en rediffusion sur ma chaîne. Mais j'ai hâte de faire, d'ailleurs je sais pas comment on l'utilise, donc j'essaie d'apprendre un peu TikTok. Je suis en train de regarder comment ça s'utilise. Oui, je suis un vieux, j'arrive pas à utiliser un TikTok, quoi. Voilà, donc il y aura pas mal de vidéos là-dessus sur TikTok. Ces conneries que je vais faire, voilà. Puis sur ma chaîne, je vais faire des dégustations de tous les pays, voilà. Donc je vais essayer de commander dans chaque pays des produits du tiroir. Wow, n'importe quoi, mais je ne sais pas lire. Voilà,
des dégustations évidemment. Donc je sais pas si vous connaissez Candy-san, j'aimerais bien vous goûter. Ça vient du Japon, c'est le magasin de Ici Japon. Voilà, en plus de ça, ils m'ont dit, parce que je l'ai écrit pour savoir si je peux montrer en vidéo, ils ont dit oui, et ils peuvent aussi mettre ma vidéo sur leur site, donc ça me fera de la pub sur YouTube. Voilà. Puis aussi, il y aura des dégustations en Bretagne, même dans les villes où je vais passer. Mais là, la Bretagne, il y a pas mal de produits super sympas, comme bah, les galettes bretonnes, les crêpes bretonnes, et pas mal de choses. Voilà, donc ça sera sur ma chaîne. Puis vous savez, hein, je suis consultant de sociétés comme Shogun. Évidemment, j'ai un peu arrêté Shogun, mais je garde quand même parce que j'ai quelques clients chez Shogun. Mais je suis chez Faberlic. Je sais pas si je dis bien, mais voilà. Faberlic qui fait des produits de tous les jours, donc de la lessive, des habits, de tout. Et ils sont vraiment, vraiment pas chers. Donc je vais présenter quelques produits de cette société, et voilà, donc je vais en acheter, je vais vous le présenter et voir si ça vous intéresse. Voilà, il y aura aussi des concours pour gagner des produits de ma société. Évidemment, la société, j'ai créé un groupe, donc ça serait en description. Donc, voilà, allez-y si vous voulez vous acheter des produits. Vraiment des produits vraiment très intéressants. Il y a aussi des parfums, et franchement les parfums, je trouve qu'ils se sentent meilleurs que chez Shogun, et c'est moins cher. Shogun c'était à 35 €, et ben vous pouvez avoir du parfum à 100 ml à 18 €, 15 €. C'est vraiment pas cher, vraiment vraiment pas cher. Voilà, mais je garde Shogun, hein, voilà, parce que j'ai des clients également qui veulent m'en racheter, et ils ont l'habitude d'avoir ce parfum là et ils veulent que ce parfum, donc je garde Shogun. Évidemment, à un moment j'étais chez Arix, c'est du bien-être. Voilà, ma marraine elle m'a conseillé celle-là, mais il fallait que je fais gaffe à ma ligne et tout ça, mais moi je veux de la malbouffe, McDo, grec, kebab, enfin, grec c'est kebab, mais voilà, la malbouffe c'est meilleur. Regarde, hey, je suis pas gros, hein, regardez, je suis pas gros. Voilà, donc j'ai dû arrêter Arix, c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Voilà, du coup, il y a une personne qui m'a conseillé d'aller à Faberlic, vraiment super produit. J'ai regardé des vêtements, mais super sympa. J'ai déjà des personnes qui seraient intéressé pour m'en acheter, donc voilà. Donc si vous voulez, hein, en description mon groupe, et je vais vous envoyer la liste de tous ces produits. Voilà. Évidemment, ceux qui savent, ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai plus de voiture en ce moment, donc pareil, les vlogs c'est un peu compliqué, mais là je vais louer une voiture, enfin c'est une location vente, donc ça sera tous les jours, c'est comme si que c'était ma voiture, hein, évidemment. Et donc je vais vous la présenter sans montrer ma plaque, évidemment. Voilà, donc si vous savez, c'est une Dacia Duster que je vais peut-être avoir. Bon, je crée pas victoire, mais c'est bon signe, tous les papiers sont faits, donc ça devrait être dans les prochains jours. Par contre, malheureusement, avec ce confinement, ça serait un peu compliqué de filmer ça dehors. Et j'aimerais avoir quelqu'un pour me filmer, pour filmer la voiture, évidemment. Franchement, j'ai hâte d'avoir cette voiture, et avec cette voiture, j'aurais pas peur d'aller super loin. Voilà, monsieur. Avec ma ancienne voiture, c'était une Laguna de 94, et elle avait du mal des fois, elle démarrait plus. Donc voilà, donc terminé normalement cette galère, et je vais pouvoir aller un peu plus loin que le Morbihan. Ou parlant du Morbihan, évidemment, je vais être loin.
Et puis aussi, je prévois mettre. Parce que vous voyez, c'est un mur blanc et tout ça. J'ai prévu de faire un peu de décor derrière hein, pour pouvoir filmer. Parce que là, c'est un peu une grosse galère avec le mur blanc et c'est un mur sale quoi. Hein, avec. Si vous voyez un peu, c'est pitoyable. C'est pour ça que j'aimerais avoir un autre appartement. En plus de ça, c'est une petite chambre. Moi, je suis en coloc, je peux pas filmer n'importe où dans l'appartement. Voilà, donc c'est pour ça que je filme dans ma chambre. Évidemment, donc j'aimerais prévoir un studio, évidemment, comme un studio et avoir un décor derrière mon mur ou avoir un fond vert pour mettre de magnifiques paysages derrière moi. Évidemment aussi j'ai un projet pour vous présenter un peu de ce que j'achète comme ce Bouddha là. Ouh c'est lourd. Voilà. Voilà. Je suis un fan de Bouddha, de tout. Ah, de tous les Bouddhas évidemment. J'en ai plein. Voilà. Je présente Bouddha doré. Je vous présente Bouddha vert. Voilà, un autre Bouddha doré, un autre Bouddha bronze, voilà, j'en ai plein comme ça et j'aimerais aussi vous présenter un peu tout ce que j'achète, même mon katana. Bon là, il y a plein de poussière, mais bon, hein. Ah, allez. Donc voilà, donc présenter un peu toute ma passion avec le Bouddha. Voilà. Bon voilà, ça a été rapide cette vidéo, mais il fallait que je fasse une vidéo parce que pendant 3 semaines j'ai pas fait. D'ailleurs cette vidéo je devais faire en janvier, j'avais filmé et je retrouve pas mes séquences. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt et ciao ciao. There is more than my eyes can make me feel. There is more to this life now. Do I only see